Salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour la suite de ce Let's Play sur SAO, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve après avoir récolté les 6 boules de couleur, oui c'est ça, j'ai pas eu le nom exact. Et j'en ai profité là en revenant en ville pour améliorer mes armes, enfin améliorer, les changer par de meilleures épées. Et améliorer ces épées justement et puis donner le nouveau katana à Sakuya et les deux autres épées, celles que j'avais avant, deux meilleures encore à Rain, histoire qu'on fasse un peu plus de dégâts en team, parce que là, ça commence à être un petit peu limite. Bon, juste, il faut que je trouve où est-ce que je dois aller, parce que je viens de faire mes améliorations, c'est cool, mais maintenant, est-ce qu'il faut que j'aille dans un endroit particulier, vu que je suis retourné ici, peut-être l'anneau de glace, on va tenter l'anneau de glace, on va voir. On va essayer de trouver la région dans laquelle il faut aller pour affronter le... Pour certainement trouver le... Ah, voilà. Le donjon final, si c'est lui. Regardez, c'est sur la carte là-bas. Et ben on y go. On y go. Normalement, mes épées sont améliorées. Ça devrait le faire, j'espère. J'ai pas acheté de stuff. J'ai pas acheté tout ce qui est trucs pour réanimation et tout. Mais dans le dernier épisode, j'avais vu qu'on en avait 5 sur 5. Donc normalement, c'est pas la peine. Et là, ouais, ça doit être ça. Le dernier temple, c'est ça. Enfin, le dernier donjon. Est-ce ça? Oui. Est-ce que c'est vraiment le dernier? Je sais pas, on va voir. Ok, bon. D'accord. Donc, rien. Rien du tout. Par contre, il y a un étage. Là, il y a un étage. Ok, ça promet d'être assez long. Alors, on va voir ce que ça peut donner. Akanai wa ne. そうね。あ、この扉6つ穴が開いてるわ。そうか。切るぞ。アスナ。オーブをはめてくれないか。あ、分かった。こう。ああ、扉が開いたわね。すごい。やったね。 Parfait. Et ben voilà, voilà à quoi elles ont servi. Juste avant qu'on avance plus loin, j'augmente la célérité avant que le monsieur m'attaque. Et alors, tout d'abord, on va aller au fond du couloir. Et là, il y a cette porte ensuite à aller voir. Est-ce que c'est un piège? Non. Cristal d'endurance. Tant mieux. Hop là, la porte s'ouvre. Parfait. Maintenant, on va aller dans la pièce celle-là, à gauche, ce gros truc. Il y a forcément un piège là-dedans. Un monstre est apparu. Ah oui, d'accord. Ah, d'accord, les trois. Les trois. Ok, donc, ça te met bien dans l'ambiance du dernier donjon. Est-ce qu'il faut les battre, honnêtement? Je sais pas. Oh, regardez toute la vie que j'ai enlevée avec mes nouvelles épées. Hop là. Honnêtement, je sais pas. Si ça se trouve, ça peut apporter quelque chose. Et ça se trouve, ça apporte rien du tout. Et ça n'a rien apporté du tout. J'aurais pu me casser. Ah non, il est là. Mais ça n'a rien apporté quand même, voilà. J'aurais testé, par curiosité, parce que je vois une porte. Bon, en fait, elle était ouverte. Deux. Elle est ouverte ou elle est pas ouverte? Mais non, je suis con, attendez, je viens de là. Voilà, c'est par là-bas qu'il faut aller. Alors là, on va aller dans la salle avec le petit interrupteur. Donc pas celle-ci. Celle qui est normalement est au bout du couloir. J'ai pu ma célérité augmenter, je vais la augmenter une fois que je serai dans la pièce. Hop, pardon. Excuse-moi, toi, tu me gênes un peu. Oh, voilà, fais ça. Tac, j'augmente ma célérité. Et go! On y retourne. Donc j'ai activé le mécanisme. Je sais pas, j'ai pas lu. Ça se trouve, c'était un piège. Enfin, c'était une connerie à pas faire. Non, ça a dû ouvrir cette porte. Ça a dû ouvrir cette porte. Maintenant, on va aller... Truc de gauche. On fait étape par étape. Est-ce que ça s'ouvre? C'est bloqué par un monstre, faut que je les bute. Ça s'ouvre, parfait. Hop. Wouah, vous êtes nombreux, les amis. Attends, on ouvre. Vous entendez une porte s'ouvrir. Parfait. On repart aussi vite. On va continuer tout droit. Ça devait être la porte, en fait, d'ici. Voilà, ça doit être celle-là. Parfait. Et j'ai même pas regardé s'il y avait des coffres. Alors là, forcément que c'est verrouillé par un monstre. Ok, ok. Donc va falloir buter tous ces monstres de cette pièce. Bon, ça va peut-être me permettre de préparer la synergie pour le boss d'après. J'espère que le boss va pas être... Ouah, si, il va être monstrueux, forcément. Ça va être certainement le dernier donjon du jeu.
Et qui sait, on va peut-être affronter Sumeragi, hein. J'aimerais bien. Ça me paraît très logique en fait qu'on le croise, peut-être qu'ils nous ont rattrapés ou je sais pas quelle douille. Histoire d'en apprendre plus sur l'histoire, parce que si c'est le dernier donjon techniquement, mais qu'on a pas de nouvelles sur tout ce qui est Shamrock et tout, même sur l'histoire de Reign, bah, c'est un peu con, tu vois. Mais bon, cela m'étonnerait fort. Venez là. Toi. Oh là là. Ils sont coriaces quand même. Ok, toi, t'as vraiment une tête dégueulasse. Mais t'as pas l'air très fort, donc tu dégages. Parfait, c'est ouvert. On se taille. Attendez, juste régénérer ma vie. Même s'il reste. Même si j'ai quasiment rien perdu. Histoire que ça, je reprenne de la magie. Et là, on va passer à l'étage directement. J'ai rien oublié dans cette pièce. Par sécurité. On sait jamais. Non, c'est bon. Ok. On va y aller mollo. Un coffre. Un piège. Non. Cristal de fuite. Ah. Ah. S'il y a un cristal de fuite, c'est que c'est le gros boss. C'est que c'est un gros boss. Inventaire plein. Franchement, je me vois pas utiliser un cristal de fuite. J'en ai pas utilisé un depuis le début du jeu. Utiliser des élixirs et tout ça, je veux bien, mais pas de cristal de fuite. On en a pas besoin. On en a pas besoin, les gars. On est... Oh putain. c'est compliqué. Bon, de toute façon, j'ai l'inventaire plein. Qu'est-ce que c'est? Ah, bah des sous. Voilà. Alors. Ça tu... Qu'est-ce que c'est que ça sur le mur? Bon, tu t'ouvres sans problème. Ok. Ouh lolo, j'augmente ma célérité. Parfait. Et on va pouvoir... Alors, attendez. Méthodiquement. On va aller dans la porte qui est déjà ouverte. Ah merde, il y en a deux. Bah celle-ci. C'était celle-ci. Que j'envisageais. Et deux portes au bout. Alors, une certainement bloquée par un monstre. Est-ce que tu t'ouvres? Tu t'ouvres. Parfait. Là, ça doit être bloqué par un monstre. Ah non, par un mécanisme. Ok, bon bah. Écoute, le mécanisme, il est là. Je suppose que c'était celui-là. Parfait. Ok, on y go. Deux coffres, une douille, une épée, une main, et là une douille. Non, même pas, goutte, d'accord. Bon. À quoi ça me sert tout ça? Peut-être que c'est une très bonne épée, une main. J'aimerais bien, parce que là on est quand même dans le dernier. Enfin, dans ce qui est techniquement le dernier donjon. Donc j'aimerais bien un bon truc. Là-bas, ok, et là. Mécanisme. La porte est bloquée par un mécanisme, et bah parfait, donc toi on peut te skipper. Je vais juste augmenter ma célérité. Espérant que le truc m'attaque pas avant. Go! C'est parti! Là, bon, ça peut être bloqué par un monstre. Tac. Non, ça s'ouvre. Là, ça doit être... Là, la porte doit être bloquée par un monstre, je pense. On va tester. Mais ça me paraît logique. Toutes les grilles comme ça. Ouais, voilà. Ok, bon, bah ça va être compliqué. Oula. Calme-toi, Billy Bob. Et ils sont costauds, ils sont. Ah non, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, Kirito? Verrouille-en un, mais pas les abeilles. Pas les abeilles. Oh, je déteste ce système de verrouillage. Tu verrouilles pas, en fait, celui que tu veux. C'est vraiment, c'est du random. Après, t'as beau essayer de décaler la cible, il va toujours te choisir le mauvais. Et ça, depuis que je joue au jeu, c'est le même problème. On dirait que tu danses en champ de bataille. Oh là là. Comment il sort, ça? Toi, on va essayer de te déglinguer. Allez. Allez, parfait. Est-ce qu'il en reste un? Il reste toi. Ah vous, je crois que vous pouvez paralyser. Ah, ça, vous êtes problématique si vous paralysez vraiment les gens. Parfait, ça déverrouille. Je me soigne, histoire de rester quasi full. Hop, on augmente la célérité pour aller plus vite. Logique. Et, toi je t'esquive. Là. Là. Ah, le mécanisme. Une porte s'ouvre. Et ça doit être la porte bah, qui était bloquée tout à l'heure par le mécanisme. Est-ce qu'il y avait quelque chose là? Non, c'est juste la forme de la pièce qui est bizarre. Hop. Hop, 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 hop. Tac, tac, tac. Là, là. J'esquive, j'esquive, j'esquive. Et on va tout droit. C'est ça, hein? Ou, oui. Oui, oui, c'est du tout droit. Là, normalement, il y a un boss. Regarde. Qu'est-ce que c'est que ces trucs-là déjà? Ouais. Ouais, 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 d'accord. Ok. Ok. Ça va être un putain de gros boss. J'ai envie de voir la tête du truc. J'ai envie de voir la tête. Bon, ça nous a permis normalement d'acheter de tout ce qui est soin et tout. Mais, je vais regarder, c'est où mon inventaire? Je crois que c'est... Je peux aller sur Kirito.
Objet. Griffe acérée, ses griffes de monstre, variété d'utilisation. Ouais, bon. Consommable en fait. Merde. Ah voilà, c'est là. Un remède, d'accord. Restaure des points de vie, restaure des antidotes. Une mèche. Augmente l'attaque, d'accord. Fruit millénaire. Restaure la totalité des PV, PM et PE, d'accord. J'ai 5 trucs pour animer. Cristal téléporteur, ok. Cristal endurance, j'en ai un. Téléporteur, ça sert à quoi? Cristal. Permet de retourner instantanément au téléporteur de la ville. Ah, ça c'est pratique. Goûte. La grande quantité de roses. Anime tous les mots, ouais. D'accord, ok, donc ça, c'est, la goutte, c'est plus puissant que le truc classique. Est-ce que je peux en acheter d'autres? Est-ce que je peux en acheter d'autres? Attendez. Est-ce que ça s'achète d'ailleurs? Acheter objet. Hop là. Alors, les consommables, et c'est... Alors, c'est pas la rosée, c'est... Mèche. Cristal de fuite. Potion. Écoutez, on va prendre de tout. Franchement, là, je vais blinder. Honnêtement, je réfléchis plus. Cristal de soin. On s'en met 20. Je réfléchis plus. Potion de mana. Élixir de mana. Cristal de mana. Non, pas 2. Merde. 20. Allez, on achète tout. On achète tout. On est fou. Je suis riche, j'en profite. Fragment de mana. Allez, on fait ça. Hop, ça devrait suffire. Après c'est trop. Antidote. Remède vivifiant. Ça remède instantanément les sensations. Paralysant. Bon allez, on prend. On sait jamais. On sait jamais. Vas-y. Pierre soignante. Cette pierre. C'est vigilant, guérit des sauts et des confusions. Allez, on sait jamais. Je sais pas ce qu'il est capable de faire l'autre boss. S'il peut nous bloquer et tout. Charme imprégné. Prière sacrée. Brise les malédictions. Allez, on prend. Mèche de berserk. Augmente l'attaque. On prend. Charme du gardien. Augmente la défense. Allez, on prend. Plume d'ange. Augmente la vitesse. Franchement, je m'en bats les steaks. Je prends tout ce qu'il y a. Augmente la magie. Cristal téléporteur. Non, ça, je m'en fous. Cristal de fuite, je m'en fous. Ok, bon. Alors, si maintenant... J'ai pas assez. Et c'est possible que je perde, hein, parce que c'est le dernier boss quand même. Hein. Faut raisonner comme ça, c'est le dernier. C'est ça, c'est là qu'il faut aller. Je suppose que c'est... Attendez, je revérifie. Oui, ça doit être ça. C'est le dernier quoi. On n'a pas... Est-ce que c'est là? Oui, c'est là. Ok, bon. Je sens le combat de bâtard. Déjà, on va se faire téléporter, c'est sûr. Et j'active... Non, j'activerai les trucs après, une fois qu'on sera... Déjà, je vais me mettre au niveau de mes objets. Et c'est... Ah, j'ai oublié les noms. Antidote, potion de mana. Alors ça augmente l'attaque. Ça, cristal de fuite, ça augmente rien du tout. Fruit millénaire, oui, ça me redonne toute ma vie. Ça, ok. Cristal endurance, d'accord. Ok, potion, cristal. Remède vivifiant. Franchement... Il y a la possibilité de faire des trucs pas trop mal. On va commencer. Je me prépare au cas où. Qu'est-ce qui se passe? Bah attends. Fragment de soin, élixir de soin. Voilà. Je me place sur le fragment de soin. Allez, montre-moi ce que tu nous réserves là. Allez, le jeu. Oula. What the fuck? Ah, un boss grave stylé. Ils ont géré le dernier boss. Enfin, si c'est le dernier boss. Ok, niveau 420. Wow, tu te calmes, Bibi. Bichette. On va la jouer comme tous les autres boss. Sans connaître ses patterns, on va voir.
Est-ce que son point faible, c'est sa tête? Ou est-ce que c'est les tentacules? Mais c'est sûr qu'il y aura une autre phase. C'est obligé. Je sens l'autre phase à des kilomètres. Genre la phase bien plus compliquée. Qu'est-ce qu'il prépare? Rien. Là, c'est trop bizarre parce que... Bon, ça perd, les filles perdent de la vie, mais pas plus que ça. Non, franchement, je sens la phase 2 bien compliquée. Ah, ça augmente, ça me ralentit. Et ça m'endort. Mais j'avais raison, fallait que je prévoie des trucs. Ok, c'est pas grave. Hop. Moi, j'augmente ma vitesse. C'est bien ce que je pensais, c'est vraiment la meuf... Elle va tout nous mettre dans la tronche, tous les trucs. Elle te touche, ça y est, ça te fait instant quelque chose. C'est pour ça que ça va être insupportable. Oula, faut que je me soigne direct. Moi je sens le game over là. Pour ce boss là, honnêtement ça va être chaud. Allez, voilà. Putain, t'en fais des bruits dégueulasses toi. Tu fais flipper. Protège-toi Kirito. Ok. Ok, parfait. On a presque enlevé une barre. Allez. Il y a moyen. Ça va être compliqué, mais il y a moyen. Qu'est-ce que c'est? C'est de la poudre dodo. Elle s'est crue dans Pokémon ou quoi? Oh oui. Allez, synergie. Switch, Sakuya. Ah, merci. Oula, ça va être compliqué. Je sens la complexité arriver, là. Avec toutes ces tentacules, là. Allez, on prie. Allez, reprends un peu d'endurance, Kirito. Voilà, parfait. Je me sens mieux. Bah oui, on se sent mieux. Non, qu'est-ce que tu fais? Hop, protège-toi. Oh, Rain. Putain, elle a perdu beaucoup de vie. Je ne vais pas tenir longtemps. Ouais, elle perd beaucoup de vie, là, les filles. Qu'est-ce qui vous prend? Pas très solide, là, aujourd'hui. Allez, presque la moitié de la vie perdue. Allez. Wow, l'esquive à la dernière seconde. J'ai eu du cul. Protège-toi. Non, Kirito, protège-toi. Merde. Qu'est-ce qu'elle prépare? J'ai l'impression que c'est point faible. Oh non. Ça, c'est l'attaque qui endort. Vite, vite, debout. Réveille-toi, Kirito. Oh lolo, j'ai pris... Oh non, ça va. J'ai connu pire. Ton bonhomme de pierre, il me faisait plus peur que toi, finalement. Ah, par contre, ouais. Je te jure, elle me fait flipper dans le sens où c'est censé être le dernier boss. Donc je m'attends à un truc super compliqué. Je m'attends au truc bien galère. Allez, switch. On la calme dans sa phase de colère. Allez, boum. Merde. Allez. Oup, op, op. Allez, la moitié de sa vie. Non, je sens la phase 2, c'est pas possible. Peut-être une phase au sol, vous voyez, genre un duel. Genre le truc sort de son poulpe et après, pouf, direct, on se tape un duel. Parce que là, si ça s'arrête là-dessus, soit j'ai pas bien fait de tout acheter. Ouais, ou après, je sens bien le duel contre Sumeragi. Sumeragi. Allez, soigne-toi. Je me re-soigne, au cas où, évidemment. Et on est reparti. Allez, c'est parti, go. Ah, pas contente. Ah, évidemment, de toute façon. Qu'est-ce qu'elle prépare? Un peu de fumée. Allez. Plus qu'une barre de vie. Allez, plus qu'une. Merde. Mince, pardon. Allez, boum. Allez. Qu'est-ce qu'il prépare? Vas-y. Ah non, elle est dans sa phase vénère. Merde.
Va la réanimer. Voilà, parfait, réanime-la. Moi, je m'occupe d'elle. Je m'occupe de la méchante, même si j'ai plus beaucoup de vie. Et j'ai la célérité qui a baissé. Descends de là. Hop là. Augmente ma célérité. Parfait. Est-ce que je l'ai augmenté? Oui. Et là. Paf. Allez, switch. C'est le moment. Allez. Allez, je suis trop chaud là. Plus qu'une demi-barre. Ah, la phase... Allez, montre-moi une phase 2, là. Fais-moi rêver. Fais-moi avoir peur, me dire que, ouais, c'est bon, t'es vraiment le boss final du jeu. Parce que là, t'es censé être le boss final de tous les donjons, mais, bon. T'es pas la plus difficile. Oh, allez! Non, c'est fini! Oh! Je tourne! Je tourne! Bon, je continue de tourner, là. Vous avez fini de parler? C'est bon, on a compris! Montrez-moi la cinématique, là. やったぜ。俺たちが先にクエストを攻略したぞ。サキを越されたか。スメラギか。悪いが、裏世界解放クエストは俺だ。今回は一歩及ばなかったが、だがこれはただの通過点。まだスバルトエリア攻略の途中だ。 ここからは裏世界攻略が始まる。つまりここからが後半戦だ。ああ、俺たちだって負けないぜ。なあ、スメラギ、俺たちの勝負とは関係ないんだが、セブンは最近元気か？どういうことだ？セブンのことについて。いや、最近見てない気がして。あいつはまだ子供だから。 気張って無理をしてるんじゃないかってさ。貴様が気にすることじゃない。セブンはあの子は貴様たちなどには到底考えつかないような貴様らのような下賤なものたちとは違うんだ。そんなわけあるかよ。まだ年下もいかないあの子は大人たちに揉まれながら必死に周囲の期待に応えようと努力してるんだろ。人並み外れた力を持つ神様みたいに扱うのはどうかと思うぜ。 キリト、俺は貴様を認めている。だが、シャムロックの活動のことについて貴様にとやかく言われる筋合いはない。あ、おい、スメラギ、待てよ。お兄ちゃん。俺もスメラギを認めてる。一度剣を交えたからわかる。でもシャムロックとしてあの子をセブンを持ち上げて一体何がしたいんだ。 本当の戦いはここからってことだな。うん、くよくよしてる暇はないよ、お兄。あ、シャムロックに負けないためにも気合を入れ直さなきゃな。お、そうだ。表世界の攻略記念と裏世界の攻略頑張ろうぜって意味を込めてパーティーやらねえか。そうね、これまでみんなで頑張ってきたし、お祝いしましょう。賛成。パーティー楽しみ。それなら 俺の店を使っていいぜ。よし、それじゃ一度街に戻るぞ。それでは僭越ながら私クラインが乾杯の温度を取らせていただきます。スバルトアールブヘイムの地に降り立ってからというもの、数々の困難を乗り越え。ちょっと、そんな話はどうでもいいから早く乾杯しましょうよ。 ねえねえ、早くしないとお料理冷めちゃうよ。ひって、分かったよ。それでは皆さん、グラスを持って。ボス討伐&クエスト攻略おめでとう。乾杯。乾杯。うわー、美味しそうな料理がいっぱいだ。どれから食べようかな。たくさんあるから遠慮しないで食えよ。アスナにも手伝ってもらったから。 レイン、キレド君、なんでそんな隅の方にいるんだ。いや、皆さんで和気あいあいとしてるところを邪魔しちゃ悪いかなと。そんなことないさ。ボスを倒せたのだって
レインちゃん、私たちが言ってることは本心だよ。あなたがいてくれて助かったわ。一緒にクエスト攻略してくれて。アスナちゃん。<笑>こちらこそありがとう。レインもみんなの輪に加わることができたみたいな。最初はどうなるかと思ったけど仲良くなれてよかった。やっほー、盛り上がってるね。ついに裏世界に挑戦できるな。楽しみだよ。リーファはスバルトエリア攻略後はどうするつもりなんだ。とりあえずシルフ領のスイルベーンに戻ろうかなって思ってるんだ。そうか、よかった。このままレネゲイドになってしまうのではないかと思っていたんだ。レネゲイド？レネゲイドっていうのは自分が所属する種族の領地を捨てたプレイヤーのことだよ。普通は同じ種族同士でパーティーを組んで他種族と競いながら攻略していくんだけど、レネゲイドは他種族でパーティーを組んでALOを攻略しているんだ。へえ、そうなのか。実力を買われて他の種族の兵士として雇われているプレイヤーもいるんだよ。ああ、そこで提案なのだが。え？ちょっと、サクヤさん、アリシャさん、くっつきすぎですよ。君の戦い方、戦闘能力、そして勇気は 本当に素晴らしい。そこで私としては、スバルトエリアの攻略が終わったらシルフ領の兵士として、シルフ領ですか。ケット氏の兵士になれば3食おやつに昼寝付きだよ。あ、キリトさんはお昼寝大好きですよね。そうね、いつでもどこでも居眠りしそうだもの。 他の寮の兵士になっても首になるんじゃないかしら。ひどい言われようだな。あと、なんといっても猫耳の可愛い女の子がたくさんいるよ。ね、猫耳？あ、さっきリーファが言ってたように、どこかの種族につかなくってもいいんだよね。スプリガンってトレジャーハントが得意じゃない？だったらトレジャーハンターとして 私とペアを組むっていう。私と組んだら武器選び放題、使いたい放題よ。それなら私もキリト君に協力できるよ。特殊効果付きの武器の作成なら任せてよ。へえ、私と組んだ方が攻略は楽しいと思うよ。だって強い上に可愛いもん。え、背後から冷たい視線が。うん、アスナ、 両腕を拘束されてて後ろを振り向けないけど、ものすごくこっちを睨んでいるのは背中越しに伝わってくる。まずい、この状況から一刻も早く脱却せねば。サクヤさん、アリシャさん、悪いんだけど俺はどこにも所属する気はないんだ。もともとソロプレイヤーだし、組織に所属するのとかは苦手でさ。それに 気の置けない仲間とワイワイやりながら攻略する方が性に合ってるんだ。うん、そうか。うん、無理強いはよくないよね。やっと離れてくれた。ま、気が変わったらいつでも言ってくれ。こっちも大歓迎だよ。あ、はい。お、俺はどこへでも行きますよ。領主様のお役に立てるならも喜んで。さーて、 パーティー再開しようかしら。皆さん聞いてます？残念ね、誰も聞いてないみたいよ。そんな<笑>今日も平和だね。ん？誰か来たみたいだ。今日は貸し切りにしているはずなんだが。プリビエット、キリト君、それにみんな。あ、 セブン、どうしたんだ？あなたに一言言いたかったのよ。表世界の攻略おめでとう。そして、よくもシャムロックを任せてくれたわねって。その子は誰？ ああ、こいつはレイン。前に話したことあるだろ。お前に会いたくてシャムロックに入隊しようとしたやつだよ。ん？ああ。
あの話ね。ふーん、あなた、私のファンなの？あ、はい。そうです。でも、嘘をついてシャムロックに入ろうだなんてダメよ。いくらゲーム中のギルドとは言っても、それがバレた時に周囲がどう考えるか、ちゃんと。ごめんなさい、セブ。私、これから気をつけるね。うん、わかればいいの。じゃあ、私に何をしてほしいのかしら？ 歌を歌ってあげればいい？それともサインでも書けばいいの？あ、うん、元気そうなあなたの顔を見られただけで、私なんだか安心しちゃった。あらら、キリト君以上にアイドルとして張り合いのない相手ね。まあいいわ。じゃあせめて握手くらいしましょう。うん。それから俺たちは仲良く談笑を交わした。 しばらくしてエギルの店から一人出ていくシノを見かけた。シノ、まだレインのことを許せないのか？キリト、そんなことはないわ。前にみんなとも約束したしね。でもあの子、なんかそこが見えないのよ。キリトが言うように悪い子じゃないのは理解できる。でも腹の中で何かを抱えている気がする。 それを必死に隠して取り繕って笑顔を見せてる。だから完全には信用しきれないと。まあそんなところね。でもそれを言うならお前も同じじゃないのか？え？気に触ったのなら謝る。これはただの気のせいかもしれない。でも俺もお前がレインに抱いているような感覚を持ったことがあるんだ。キリト？でもシノンはいいやつだ。 それは俺だけじゃなく、みんなわかってる。だから俺はシノンが何も言わなくても、お前のことを信用するし。なるほど。私はレインのこと、自分に似てたからこそ、認められなかったってわけね。無意識のうちに、自分と照らし合わせちゃって。それで、あの子が何かを抱えていると。 察してしまった。キリト、あんたには叶わないわよ。いや、俺はシノンもレインも今では大事な仲間だって思ってるからさ。わかった。私もあの子のこと信じるわ。ああ、頼む。その後エギルの店に戻ると、セブンはすでに立ち去った後だった。俺はスメラギとの一件で気になったことをセブンに。 Ah, enfin la cinématique terminée. Donc, eh bien, je pensais que c'était fini quasiment, mais non. En fait, il y a encore une nouvelle partie, donc le monde des ténèbres. Ça promet. Écoutez, je vais faire quelques cinématiques, voir si c'est intéressant. Si c'est pas intéressant, de toute façon, je vous skip ça comme d'habitude. On va voir. Un combat aura lieu dans cet événement. Ah, ça fait combien de temps que je rec? Oui, ça fait assez longtemps. Bah écoutez, les amis, je pense qu'on va se laisser là-dessus. On se retrouve très vite pour le dernier épisode de cette semaine et certainement l'un des derniers parce que je pense qu'on approche de la fin. On va essayer de faire dans le prochain épisode cet événement particulier avec un combat et peut-être d'autres événements s'il y en a. Sinon on avancera la quête principale. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cet épisode et à très bientôt pour la suite du Let's Play sur SAO. Ciao.